Hey, salut tout le monde! On est dimanche, le jour du Seigneur. Votre hôte, Fred. Toujours aussi grippé. Bon. On va commencer ça. Donc, merci à tout le monde qui a participé. Le break numéro 181. Regardez bien, on va marquer ici. Puis on va brasser ça un petit random pour commencer la journée. Du football au programme, du hockey au programme. Plein d'affaires au programme. Plein d'affaires. Trois fois c'est passé, on le sait. Faut qu'on reroll pour que ça donne quatre ou plus. Donc c'est quatre fois, donc on va y aller quatre fois. Donc on y va. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. On va aller copier-coller. En tout cas, on sait que Samsung se retrouve avec les Bruins. Donc Samsung avec les Bruins, Carl Donnet. Donné avec Buffalo, Caroline Didric Parent, Mathieu Asselin, Chicago, Colorado, Mathieu Lafor Martin Lafortune, Maxime Gaudreau, Columbus, Dallas, Cody Granon, Salem Jacob, Détroit, Edmund, David Jalbert, Phil Kronick est passé proche, Michael La Floride, LA King, Michael Déjà Trudel, JP Petit, les Canadiens. Ensuite, François-Vincent Talbot, Nashville, New Jersey, JP Pelletier, Samsung, son deuxième spot, avec les Islanders, les Rangers, Martin Lafortune, Danny Brisebois, Ottawa, Philadelphie, Alexandre Dionne, JP Pelletier. Ensuite, se retrouve avec les Pingouins, Joe Nolan avec les Blues, le Lightning et Mathieu Legault, JJ Perron, Toronto, Vancouver, Mathieu Bourdeau, Maxime Grimard, les Capitals, Vegas, Achard, David Guérin, Tommy Gagnon se retrouve avec les Jets et les Coyotes, le Wild et les Ducks, ALP Leblanc et San Jose Calgary à Kevin Lachance. Donc, quatre boîtes ce matin. Quatre belles boîtes. Hey, quelle belle partie de hockey hier soir. On va se l'avouer, là. On va dire les vraies affaires. Je pense que si le Canadien n'avait pas. Avait pas eu des punitions là. Là, contre Toronto, ça a été le même résultat à peu près. Ouais, à peu près le même résultat selon moi. Et là, vous devriez voir vos noms. Et voilà, donc, 4 boîtes, 4 belles boîtes, une Sirius, une SP 1920. Ensuite, la Chrono, la Ingrain. Fait que là, on va commencer par la Sirius. Après ça, on va aller dans la SP. Donc, beaucoup de cartes là, ce matin en partant à trier. Parce que. Il y a beaucoup de base là-dedans. C'est pas grave, c'est des belles boîtes. Donc, on va commencer avec la belle Sirien 2021. Donc, Lafrenière, toujours pas de points à ces deux premières parties. Mais ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire, pas en tout. Donc, mais belle victoire hier des Rangers. Puis, c'est ça, c'est ça. C'est ça aussi. Pas grand-chose à dire un matin. Moi, je vais te le dire, là. Je vais te le dire. Pris un petit Monster pour essayer de me réveiller un petit peu, là. Là, tantôt, faut que j'aille déprendre ma blonde parce que son char, il est pris dans la rue. Les joies de l'hiver et d'avoir un automobile. Et quand l'automobile, c'est comme une Sentra, là, fait que c'est fait pour l'hiver. C'est fait pour aller dans la neige, ce char-là. Donc, Phil, je vais essayer d'en sortir un, là, Team Select. Ouais, je vais en sortir un. Je vais en sortir un, mais il va sûrement être plus. Le Team Select va être pour la soirée, là. Tu sais, mettons. Ça va être genre Team Select, puis il se remplit, puis on fait ça à soir. Ça va être un affaire de même, là. Parce que je pense que j'ai pas assez de boîtes ici pour faire de quoi de quand même le fun avec un Team Select. Donc, j'ai. Non, mais je veux dire. Avec un Team Select, c'est que là. On peut se gâter puis mettre 5 boîtes, 6 boîtes. Fait que c'est plus pour ça. J'en avais déjà, parce que j'ai déjà préparé un autre break après. Hein? Puis après ça, j'aurais comme plus de boîtes, là, le fun. Vous comprenez, là. You know what I mean, you know what I mean. Et on va commencer ça tout de suite, les potes. Les potes. Et là, les cartes sont collées. J'aime ça quand ça arrive. J'aime ça quand ça arrive. Yo, il va bonne chance à tous, soit dit en passant. Donc, on commence avec une petite Tukarask. Donc, Tukarask, predominant ici. On break après quoi? Après ce break-là.
Une UD Partridge, Jack Evans, lui qui a marqué son premier but hier de la saison. Sur un 2 contre 1, il est allé selfish, il a shoté, ça n'a pas rentré, il a pris son retour sans rentrer. Hein? C'était mieux de rentrer, ça. Et ensuite, on va avoir une petite Young Gun. Et là, le problème, c'est que là, c'est collé. Ok, c'est collé. Et là, Young Gun se retrouve en dessous de celle-là. Un instant, s'il vous plaît. Et c'est une Kirill Ustumenko. Ustumenko. Kourou l'Ustumenko. Batman, il y en a plein les bras là, à cause du COVID, fait que, à cause du couvre-feu. Fait que, ça fait un bout qu'on l'a pas vu. Hein. Il combat le crime la nuit à cause du couvre-feu. Fait que, il est pas là, Kenny, malheureusement. On sait pas trop où il est où. Là. Donc, prends Young Gun, ça va à Philadelphie. Philadelphie, Alexandre Dionne. Une petite UD Portrait, Randy Getzlaff pour Anaheim. Prends un petit insert pour Anaheim de LP Leblanc. Qu'on salue. Bonjour, aïe, oh. Une début date ici de Jack et de Jack Hughes, l'ancien premier choix. Dans le fond, le premier choix de l'encan 2019. Hein? Ouais, 2019. New Jersey. JP Pelletier. Et on continue ça. Et notre prochaine carte, c'est nul autre qu'une John Manson. John Manson, variante française. Donc, pour les Ducks. Donc, un autre petit insert pour LP Leblanc. Et bonne chance à tous. Une petite Dazzler pour New York. Samsung avec une petite Artemi Panarin. Donc, belle petite carte, ça, la pink. Donc, selon moi, la gold est plus belle. Mais la plus prestigieuse, c'est la rose. Quand même, là, on s'entend. La dorée, on la retrouve dans les tins. Fait que, il y en a tout le temps une au moins par tin. Puis des pinks, il n'y en a pas tout le temps. Puis la hobby coûte pas mal plus cher que la tienne. Une petite debut date ici pour Ilya Mikheyev pour Toronto. J'ai monsieur Jean-Guy Perron. J'ai monsieur. Slip. Michel La Soif. Et ensuite, on va avoir une petite Yuli Canvas ici de Gabriel Landeskog pour l'Avalanche du Colorado. Bonne équipe, ça. Martin Lafortune qui a pris deux spots. Donc, Martin Lafortune. Et base. Et là, on a juste une Young Gun jusqu'à présent de trouver sur 6. Moi, je vous le dis, ça arrivera pas. Il y aura pas 5 Young Gun dans mes boîtes à moi. Moi, je vous le dis, là. Mes mains sont trop incroyables pour qu'il y ait juste 5 Young Gun. Ça fait deux fois qu'on voit ça, là. Ben, en fait, c'est deux fois. Une fois, c'est arrivé à nous parce qu'on a vu que l'imprimante a vraiment mal. Il y a un paquet au complet qui a été scrap à cause de l'imprimante. Donc on s'imagine probablement qu'elle était dedans. Puis il y a quelqu'un qui a dit tout normal qu'il y en ait juste 5 dans une boîte hobby à un moment donné. Donc je mène que lui aussi en a déjà eu 5. Mais il n'arrivera pas. Il y a une Gustav Lidstrom ici pour les Red Wings de Détroit et Samuel Jacob. Donc ouais, il y a d'autres breaks aujourd'hui. All day long, my friend. All day long, my friend. Et voilà. C'est arrivé aussi à Kenny. Hey, c'est frustrant, ça. Quand même, avoir 5 Young Guns. Une petite UD Portrait Alexander Barkov pour la Floride.
Et une petite Wild Wild. Elias Peterson, Vancouver. Mathieu Bourdeau, directement de la Suède. Monsieur Peterson. Les cartes collées. Les cartes collées. Il est toujours à la recherche de. On va avoir beaucoup de Young Guns à la fin, j'imagine. Hein? Là, on voit qu'il y a un petit jersey, mais les cartes sont tellement collées. Petit jersey ici. Ouh, regardez. Ça a passé au lavage, là. Parce que le blanc de Niklas Backstrom sur son blanc est teinté de rouge. Je sais pas si vous le voyez comme moi. Ça apparaît un peu à l'écran. Hein. Mais comparé à, par exemple, ça ici. Je sais pas si vous voyez, là. Peu de rouge là, teinté rouge ici là pour Niklas Backstrom et Washington. Maxime Grimard, petit jersey blanc, Petit jersey blanc, Niklas Backstrom. On va une petite Young Gun bientôt, la prochaine. Et c'est une Red Duke pour Vegas, Las Vegas, les Golden Knights à Charles David Guérin. Premier hit pour Vegas et c'est une Young Gun. On aime ça comme ça. Parce que la Young Gun, c'est ce qu'on veut. Ben, c'est une série. Hein. Si on n'a pas les Rangers. Ben, en fait, peu importe l'équipe, c'est une Young Gun qu'on veut, à moins qu'on ait une Eye Glass ou qu'on ait une UD exclusive d'un bon joueur. Là. Et on a une Young Gun ici de Alexei Yekive. Alexander Alexiev pour Capitals. Mais là, ça veut dire probablement qu'on va en avoir une. De Alexander Yekiev. Parce que généralement, quand ils mettent une canvas, il y a la canvas de l'autre. Il y en a une en plus dedans. Fait que, on va mettre ça ici, mettre ça ici. Donc, on va avoir une Young Gun bientôt. De Alexander Alexiev pour les Capitals. Après ça, c'est une Lafrenière. Parce que on dirait qu'il me suit, là. Le petit Alexis, là. Il me semble que j'en sors souvent. Il me semble que j'en sors souvent. Clear cut, jeune loup, let's go. Let's go, on les sort. Et on a une petite Michael Di Pietro pour les Canucks de Vancouver. Donc, celui qui avait eu la petite Elias Peterson Worldwide. Mathieu Bourdeau, tu te retrouves avec la Michael Di Pietro. Pour moi, là, c'est comme une genre de carte cachée. Celui-là, là, Mathieu Di Pietro, c'est une carte cachée dans ceux-là. Et on a une canvas de Jean-Gabriel Pageau pour les Islanders de New York. Eux, hein, qui finalement, ça va Samsung. Eux qui, hier, finalement. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas infaillibles, les Rangers, qui ont joué vraiment une belle partie. Ils ont dominé. Première victoire, hein, dans la Ligue nationale pour. Et on a une Nick. Fait que, Wissam, grosse journée de football aujourd'hui, hein. Donc, grosse journée de foot. Et là, on était à 4 Young Guns. Donc, il nous en manquerait. Non, on était à 5. Donc, il nous en manquerait seulement une. Il y a des amants qui créent une, puis moi, mon call, c'est que ça serait une Alexander Alexiev. Donc, une Sidney Crosby pour les Penguins de Pittsburgh, UD Portrait. Une Vitek Vanecek pour les Capitals. C'était la bonne équipe, mais c'était pas le bon joueur. Donc, voilà, mon call est pas bon. Pour les Capitals de Washington, deuxième Young Gun. Maintenant, c'est une régulière et non une Canvas. Pour les Capitals, Maxime Grimard. Et on continue. On a une petite Dazzler là. Petite Dazzler bleue. Petite Dazzler bleue, let's go. À NZ Kopitar pour les Kings de Los Angeles. Premier hit pour les Kings de Michael Trudel. Il a resté des bases. Donc là, on aurait tout passé nos Young Guns.
moins qu'on ait une jeune loupe, je l'ai pas vue. Non. Parce que là, jeune loup, elle s'en vient. Petite rookie rétrospective pour Victor Olofsson des Sabres de Buffalo. Première pour les Sabres aussi ce soir. Donc Carl le donnait. Rasmus Ristolainen. Encore pour les Sabres. Donc Carl le donnait. Tu te retrouves avec une petite canvas. Il nous reste un hit seulement. Et le hit, c'est une Predominant. C'est vrai, on n'en avait pas eu. Beaucoup. Je pense qu'on en a eu. La première, c'était une Tuukka Rask, puis après ça. Donc, Darcy Kuemper. Si je me trompe pas, c'était ça le premier hit. C'était une Predominant. Et oui, de Tuukka Rask. Ok, donc, ça, je vais placer ça ici. Et la checklist. Et le reste, c'est des bases. Donc, on va s'en va tout de suite à la SP. Je vais juste placer les bases. Je vais prendre une petite gorge. Une petite gorge de cancer. Gorge de cancer. Donc, grosse tempête hier. Hein? Ou avant hier? Ouais, avant hier, c'était la grosse tempête. On dirait que les routes sont encore comme si c'était la tempête. Hier, on a eu trois belles signatures dans notre SPA. Avant hier, c'est vrai. Hier, j'ai pas breaké. C'est Hugo qui a breaké toute la journée. Donc, une petite Joe Drouin pour commencer base. Une petite update, série 1. Cam Atkinson pour Columbus. Premier hit pour Columbus. Maxime Gaudreau. Une Connor McDavid, Authentic Moment. Lui qui réussissait le 10 novembre 2019 son 400e point dans la Ligue nationale. Il était stoppé hier. Mais William Carlson Limited. C'était Red ici. Et le reste, c'est des bases. Donc lui qui a été freiné hier par le jeu défensif des Canadiens. On fait tout. Ben non, il y a eu un point, c'est vrai, man. Connor, il y a eu un point, il y a eu une passe sur le but qui servait à rien, qui faisait 5 à 1. Une belle petite passe, une deuxième passe en plus. Et on y va, let's go. Et on a notre première signature, une Future Watch pour Boston. Samsung avec une Ryan Donato, il a marqué la date en plus. Nice one, c'est la 20e au total, c'est pour ça qu'il est écrit, parce qu'après 500, Moule confirme, il écrit plus la date. Le 19 mars 2018, il a signé ça l'ami. Nice one, avec une Future Watch, la 20e au total, Ryan Donato, avec la date. Nice one. Et on continue ça. On a une petite future icon ici de Charlie McAvoy, David Pasternak, Boston encore, numéroté sur 199. C'est la 52e print pour Boston. Samsung qui part avec des deux.
Premier gros hit de la boîte, là. Boston. America Boy et Pasternak. Deux gars qui, effectivement, sont deux futurs icons pour. Et Cardonnet qui aimerait ça avoir une petite patch. Je te le souhaite, mon ami. Je te le souhaite. Quelques Buffalo, une petite patch de Jack Eichel. On va un petit spectrum en dessous. Une spectrum de Connor Lebuck pour les Jets de Winnipeg. Premier hit pour les Jets. Base, Tommy Gagnon. Malgré que dans celle-là, tu pourras peut-être avoir un Future Watch de Olofsson, Carl, juste à Buffalo. Olofsson Future Watch, ça se sent bien quand même. Signé, là, bien sûr. Et on y va. Une Tom Wilson Limited pour Washington. Une Connor Brown pour les Sénateurs d'Ottawa. Les Sens, petite update. Et là, je pense qu'on va avoir quelque chose de gros. Genre, I feel it! I feel it! Et on a une signature de Sam Steele, Future Watch! Et Docks d'Anaheim, qui se retrouve avec une Future Watch de Sam Steele, la 676e au total. Les Docks LP Leblanc. You can see me, my time is now. Donc, et voilà, on a notre deuxième signature ici. Là, on va avoir une petite sign of a time, signé, peut pas croire, peut pas croire. Fait que là, préparez-vous, une autre signature qui s'en vient, là. Une signature qui s'en vient, là. Bien sûr, mon chum. Frappe la caméra. Elle m'a rien fait, je sais. Let's go, on y va. Une petite update de Justin Falk pour les Blues. Jonathan Nolan. Donc, premier petite insulte pour toi. Et on a une petite SP essentielle de Matthew Tkachuk. Là, on va le voir souvent. On va voir les deux frères, en fait, pas mal souvent cette année. Pour les Flames de Calgary, Kevin Lachance. Et on a une SP essentielle de Jesperi Kotkaniemi pour les Canadiens de Montréal. Nice. Montréal, JP Petit, Jean-Philippe Petit. Tu te retrouves avec une SP essentielle du gars qui sourit. Qui gagne pas ses mises en jeu, mais qui sourit tout le temps. Donc, il garde le sourire, il est positif. Ça va payer. Parce que ton altitude définit ton altitude. Et on y va. Il reste 6 paquets seulement. Une petite authentic moment ici de Jordan Binnington avec les Blues de Saint-Louis qui remportaient une 30e victoire en fin de match. L'année qu'on a gagné la coupe. Et on va voir une petite SP essentielle. Je vais vous montrer la SP essentielle de Thomas Chabot ici pour Ottawa. Premier pour Ottawa et Danny Brisebois. Et on continue. Et on a une petite limited de Alex Tuck pour les Golden Knights de Vegas. Qui ont seulement eu aussi. Un hit tantôt, puis c'était la Young Gun de Red Duke. Mais là, se retrouve avec une sorte de Alex Tuck. Charles-David Guérin. Il reste 3 cartes, 3 paquets. Donc, 3 cartes généralement, à moins qu'on nous cache une petite surprise. Qu'on nous mette une petite signature là, en arrière d'une petite insert. Après ça, on va passer à la chronologie. Et ensuite, là. Une Tristan Jarry update pour les Penguins de Pittsburgh. JP Pelletier. Une authentic moment ici de Tukarask qui avait joué contre les. Contre qui déjà hein? Contre les Hawks. Contre les Hawks d'or. Terrain de football de l'Université de Notre-Dame. Et il nous reste une carte. Ça va être la Young Gun. Une Young Gun de. Ouh, nice one! Ben oui! New York qui sort de nulle part. Une petite Young Gun de Igor Shesterkin. Nice one, mon ami. Nice one. Martin Lafortune.
Yep. Ça, c'en est une belle, ça. Ça en est une pas pire belle, ça. Non, ça va chez vous, ça. Monsieur la fortune, c'en est une belle, ça. Ok, donc là, c'est ce qui met fin à notre SP. Et on s'en va à la boîte de chronologie. Notre troisième boîte sur quatre. Mais ça va aller vite parce que celle-là, il y a juste quatre cartes. Quatre cartes, dont au moins deux signatures. Là-dedans, on a une tique, au moins. Oh, et ça sera pas une Letterman. Donc, on a une petite Nico Hischier ici pour les Devils du New Jersey. La base qui est numérotée sur 222, la 139e au total pour les Devils du New Jersey. JP Pelletier, Nico Hischier. Ensuite, on va aller. On va t'en dessus. On va t'en dessus. On va t'en dessus. Je suis capable d'aller en dessus. On va aller en dessous. On va aller en dessous complètement. On a une Pierre Larouche. Quelle belle signature ici des Rangers. Waouh! Regardez la belle signature de Pierre Larouche, l'ancien centre des Penguins et des Rangers de New York, numéro 10, c'est la même que Guy Lafleur. Donc, au-dessus d'un point par match dans sa carrière, un Hall of Famer, Pierre Larouche pour New York. On va là en dessous. Et on a une Mikhaïl Sergachev auto pour le Lightning de Tampa Bay. Très belle carte, c'est ici. Donc le Lightning de Tampa Bay. Mathieu Legault, pas beaucoup parlé du Lightning, là. Une petite signature d'un futur champion de trophée, pas Calder, mais le trophée Norris. Je suis pas mal sûr qu'un jour il va le gagner. Et là, ensuite, on va aller voir en dessous qu'est-ce qu'on a. On a. Ouh! Et on va devoir faire. Ouh! Sur 10! Et là, on va devoir faire un random après le break. Carey Price, Sergei Bobrovsky, Pekka Rinne, Andrei Vasilevskiy. Donc, on va devoir faire. Ouh là 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 là! Un random entre la Floride, Phil Grenier, Tampa Bay, Mathieu Legault, Nashville, François Vincent et JP Petit, qui est le Canadien. Parce que cette carte-là. Elle est sur 10, c'est la dixième au total. 4 signatures. Ouh là 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 là. Wow! Donc là, tout à l'heure, ça, on randomise ça. Et oui, on va randomiser ça quand même. Ça va être. Wow! C'est une super belle carte, ça, là. Sur 10 exemplaires, c'est la dixième print au total. Et là, on s'en va ouvrir la Ingrain 18-19. Est-ce qu'il y a un chanceux qui va avoir une petite Elias Pettersson auto-patch là-dedans? Rookie. Peut-être, peut-être. Ok, donc on y va. Notre première carte, ça va être une base. Une base de John Tavares pour les Flyers. Donc pour les Leafs de Toronto, Monsieur Perron. Et voilà. Ah, t'as manqué une signature Future Watch pour. T'as une Future Watch signée LP Leblanc de Sam Steele, la recrue des Ducks d'Anaheim. Ensuite, une petite Jordan Kyrou pour les Blues de Saint-Louis. Une rookie, la 214e print au total. Donc l'autre, la Tavares, c'était la 210. La 200.
210e ou 218e? La 218e print sur 299. La même chose pour celle-là. Sur 299. On va aller voir la signature shot. Et c'est sur 49 seulement. Et c'est une Jared Anderson Dolan. La 38e print au total pour Los Angeles. Quel trou d'aile. Ça, c'est un gros hit, ça. Sur 49 seulement, les signature puck, là. Nice. Nice one. Donc, ça, je vais te placer ça ici. Là, je pense que je suis vraiment en retard sur ça. Ouais, vraiment. Je me rends compte là, que... Là, récemment, je vous parle. Là, vous commentez la belle carte à 4 signatures. Puis, je suis déjà rendu à la 4e carte de Mangrain à ouvrir. C'est fou, là. Fait que je vois vos messages en retard. Et on a une Mike Bossy signé pour les Islanders de New York Samsung. Le gars à moitié mort là, quand TVA Sport, mais qui est là pareil. Mike Bossy qui a l'air de signer quand même n'importe comment. Hein? Regardez le Mike ici. Yeah. Donc une belle signature, c'est de Mike Bossy. Elle n'est pas numérotée par contre. On va aller en dessous, on va aller voir notre synthèse, puis après ça, on va aller voir notre Remnant, parce que je pense qu'on a une belle Remnant qui s'en vient. Donc, on regarde ça. Tout de suite, Pierre, je suis désolé, mais tu t'en vas. On va aller voir notre petite synthèse. C'est une Brett Burns pour les Sharks de San Jose. Kevin Lachance sur 49 seulement, donc c'est la Silver. Sur la 16e print, sur 49 au total pour la Engrain Base, mais elle, c'est la Silver. Nice one. Nice one. Nice one. Là, il nous reste la Remnant. Et après ça, on va aller faire le randomize de l'eau. Le randomize de la grosse carte là, de 4 signatures de gardien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Remnant de Andy Badgate. La 80e print sur 100. Pour les Rangers de New York. Donc, hey, on s'entend que là, en ce moment, les Rangers volent le show là, jusqu'à présent. Ils ont quand même beaucoup de cartes, les Rangers. J'ai l'impression de dire son nom souvent. Donc, volent le show. Pas tant que ça, finalement. Je regarde ça, puis juste que je dis les Rangers souvent. Donc, une petite Remnant ici. Et là, on va aller faire tout de suite le randomize des 4 équipes, OK? Donc, je vais juste aller... Oh, les bases... Des bases qui s'en vont. Des bases qui s'enfuient. New giveaway. Je vais marquer random carte gardien. On va t'appeler de même. Il va avoir Montréal qui est en premier. La Floride qui est en deuxième. Excusez. Floride, Nashville et Tampa Bay. Ok, donc là on va faire ça, on va regarder ensemble qui va l'emporter. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vous mets au random. Donc regardez ça, random avec les 4 équipes pour la grosse carte. On va randomiser ça 11 fucking fois. Donc, 11 fois, on y va. 11 fois, c'est-tu long, man? Oh là 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 là. Et le gagnant sera final round. Et le gagnant est... Nashville Pecorine qui l'emporte. Et on retourne... À Live Scene. Donc Nashville, François-Vincent Talbot, tu remportes la carte incroyable des 4 gardiens qui est ici. Nice one. Et là, si on regarde un peu ce qu'on a eu depuis le début de ce petit show-là, on a eu des Young Guns en mars, une Nick Robertson, une Red Duke, une Kirill Ustumenko, une Vitek Vanecek, une Michael DiPietro, une Gustav Lidstrom. On a eu la petite UD Game Jersey pour Washington. On avait aussi reçu un autre petit Young Gun. C'était la Young Gun Canvas Alexander Alexiev pour Washington.
Ensuite, on est passé à la SP. Dans la SP, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des belles cartes. On a eu des belles cartes. On a eu une petite Young Gun de Igor Shesterkin pour New York. Gros hit. On a eu une Future Icon ici de Charlie McAvoy et David Pasternak pour Boston. 52 sur 199. Deux belles Future Watch. Donc, la première signée avec la date de Randonato pour Boston et une Sam Steele pour les Ducks d'Anaheim. On a ouvert la chrono après, puis dans le chrono, on a eu des belles surprises, là, dont la belle, la 4 signatures Quad Auto que je vous ai présenté tout à l'heure, mais on a eu une Sergachev signée, une Pierre Laroche signée pour les Rangers. Donc, les Rangers, dans le fond, se sont retrouvés ici avec une carte dans chaque boîte, dans le fond. De chaque boîte. On a eu des grosses cartes. Ensuite, on avait la. Petite Engrain. Dans la Engrain, on a une petite Jordan Kyrou, une John Tavares. Les deux des bases, une rookie. L'autre l'était pas, hein. Tavares est un vétéran maintenant. Ensuite, on a eu une petite Brett Burns de la 16e sur 49 Silver. On a eu la signature Shot sur 49 seulement de Jared Anderson Dolan. Hein. Et on a eu une Mike Bossy avec la magnifique signature, là. On dirait qu'il est marqué. Bonnie. Fait que Mike. Quand même 8 saisons, je pense, avec au-dessus de 50 buts, ce qui est quand même assez fou dans la tête. Mais sinon, le gros hit, là. Alors, on va montrer celle-là avant, j'allais l'oublier, la Andy Padgate. Badgate, Bat, Badgate, Badgate. Des Rangers de New York, là, 80e au total. Et sinon, le gros hit, là, c'est celle-là. Ça s'en va à Nashville, parce qu'on a fait le random. Donc, une chronologie quad auto. 4 signatures, la 10e sur 10. Carey Price, Sergei Bobrovsky, Pecorine, André Vasilevski, 4 signatures sur une carte, la 10e print, la 10e sur 10. Et là 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 là, ça va à Nashville, c'est eux qui ont gagné le random. Félicitations, je sors un autre break là. Ok, on se voit tantôt les boys et les filles, et peu importe là, à tantôt tout le monde. Wow, quelle carte.